4 on s'écarte de la machine véreuse des maintenant dealers qu'on sait qui provoque la montée des délinquants dealers qui s'équipent. Ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers une musique qui pète comme le C4. Les vols en France, Afrique que t'appuyer. Si nos pays sont riches c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton heure proche de la mort. Bonjour chers amis de YouTube, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce que c'est Alma Skateboard. Donc Alma Skateboard c'est ma marque, oui c'est vrai, c'est moi qui ai fait les premiers t-shirts, qui a fait la page Facebook, qui a mis un peu cette marque en avant dans mes vidéos, voilà quoi, et c'est celle qui me représente en fait chaque fois que je sors dans la rue, que j'ai un t-shirt Alma Skateboard, on dit c'est Aurélien Machu ou d'ailleurs ça m'arrive plus souvent quand j'ai un t-shirt Alma Skateboard que quand j'en ai pas, je peux pas vous avouer. Donc c'est vraiment typique de ma carrière skate et du coup je voulais mettre cette marque en avant et vous expliquer un peu son histoire tout simplement. Donc son histoire en fait débute par on est quelques potes en fait à skater et du coup on essaie de monter une team de skate juste pour le fun comme ça, pour se réunir et puis pour avoir une identité en tant que skater ensemble, et on n'arrive pas à trouver de nom. Et avec un de mes potes Mathieu en fait, comme on étudiait la Bible à l'époque, et bien on cherche en fait dans une Bible espagnole un tas de mots qui... Et le but c'était de faire en fait une marque comme Flip en fait, c'est-à-dire trouver un mot avec 4 lettres, pour que ce soit bien mémorisable en fait par les gens. Et en même temps, on voulait que ça a un rapport avec le skate, avec ce qu'on voulait faire ressortir du skate. Et moi, j'avais dit à mon pote à l'époque que j'aimerais bien un mot qui reflète un peu ce que est l'état d'esprit du skate en fait. Le fait de se réunir avec les potes, de skater, de pas se prendre la chou, quoi, de pas faire de compétition, parce qu'à l'époque je faisais pas de compétition. Bon, j'adore faire des compétitions parce que c'est l'état d'esprit que j'aime bien. Bon, même s'il y a un peu de stress, c'est vrai, j'aime bien les compétitions. Quand c'est fun, quand c'est vraiment pour le plaisir et tout, c'est génial de faire des compétitions. Et du coup, en fait, Alma Skateboard. Pour la signification du mot, en fait, c'est de l'espagnol et ça veut dire âme en français, donc état d'esprit. En fait, nous ce qu'on voulait, c'est ça en fait, montrer que le skateboard c'est un état d'esprit. C'est pas on est le plus fort parce qu'on s'est rentré des tricks de taré et tout, c'est juste on est entre potes, on s'amuse, on y a une bonne ambiance, tout ça. Pas forcément la drogue, parce que c'est la drogue, je vais pas mettre. J'aurais pas pu faire une marque qui représente la drogue ou un truc bizarre, ça me ressemblerait pas. Moi vraiment ce qui me plaît dans le skateboard c'est l'état d'esprit quand on est en mode fun. En mode on skate, on s'en fout, en mode on est libre quoi. Fuck tous les rageux quoi, voilà. C'est ça un peu l'état d'esprit de cette marque. Et voilà en fait, après avoir cherché du coup tous ces mots dans la Bible, j'ai choisi celui-là et je l'ai proposé. J'ai dit que à mon pote Mathieu que c'était le mieux, à mon avis que ça correspondait le mieux, et apparemment lui aussi, bon même si je dis que c'est moi qui l'ai choisi, lui aussi ça lui a plu en fait, par rapport à l'état d'esprit. Il a même fait une espèce de phrase du genre Las almas perdidas ou un truc comme ça là pour la nouvelle vidéo de skate, et je lui ai dit non, on va quand même pas se foutre de la gueule de notre propre marque ou faire un truc un peu bizarre, mais voilà quoi, pour montrer un peu qu'on était des mecs perdus et tout, et non en fait on n'est pas des mecs perdus du coup, puisqu'on on sait ce qu'on veut, donc du coup voilà. Donc en fait là je viens d'imprimer les premiers t-shirts. Donc ils seront en vente à peu près à 15€, je vais pas les mettre plus cher, ça sert à rien, je vais pas faire du DC Shoes quoi, je vais pas vendre un t-shirt 20€, ça sert à rien, bon 15€, en sachant qu'il y a 5€ qui est reversé à une association, bien sûr, de skateboard, pour la soutenir. Donc c'est le Saint-Aurin Skate Club bien sûr, puisqu'il est partenaire de la marque, et la marque est partenaire du Saint-Aurin Skate Club, donc ça va ensemble. Il y aura quelques t-shirts aussi qui seront présents en lot. La majorité des t-shirts que je viens de faire aujourd'hui seront présents dans la compétition.
compétition que je vais organiser le 9 juin au skatepark de Saint-Aurens. Et voilà. Et du coup, ça sera des lots surtout pour l'instant. N'hésitez pas, si vous voulez en commander, que la marque vous plaît, que le concept vous plaît, ça soutiendra et moi et une association. Donc c'est déjà bien. Des marques qui soutiennent un skater et une association, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, je vous mets au défi de m'envoyer des liens de marques qui soutiennent des associations de skateboard et des skaters. Voilà. Donc les liens commerciaux normalement devraient être sur la vidéo. Si je les ai créés, je vérifierai qu'ils soient corrects et tout. N'hésitez pas à liker notre page Alma Skateboard ou ma page Aurélien Machu. Voilà. Qui s'affiche normalement en bas de l'écran avec le lien commercial. Je pense qu'on le vendra. Bon, bien sûr, on essaiera d'en vendre sur le Bon Coin, mais le Bon Coin, je suis pas trop fan. Peut-être Amazon et peut-être Vinted aussi, qui vend normalement des vêtements hors d'occasion, mais on va essayer d'en mettre sur Vinted aussi. Plus Vinted et Amazon et le Bon Coin. Si vraiment on n'arrive pas à en vendre sur Amazon et Vinted, on vendra sur le Bon Coin. Voilà. Bon, pour plus d'informations, renseignez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et des commentaires pour me dire si c'est bien que je fasse ma marque, que je la crée ou si c'est pas bien, si je suis relou avec ma marque ou pas. Et on se dit à plus pour des sessions ou se voir sur les compétitions. Allez, à plus les gars, bon skate et motivez-vous, n'hésitez pas à chaque fois d'aller skater quand il fait beau, motivez-vous, restez pas chez vous. C'est dommage, il fait beau. Voilà, c'est l'été. À plus. Ciao.